Alors, il est 10h02 et nous partons pour le TGS. Ouais, la pêche. On n'a pas dormi. Ouais. Voilà. Il est donc 18h26, nous venons d'arriver à Toulouse. Quelles sont tes premières impressions? J'ai des jambes. On a appris qu'on pouvait se déplier. C'est voilà. Formidable. Oh merde. Bon, et ben maintenant il faut juste vider les coffres. Il faut qu'on emmène tout ça sur notre stand là-bas. C'est parce qu'on n'avait pas de budget. C'est parce qu'il a oublié les affiches à Paris. Bah, je pense que si, je pense que ce soir, c'est en dehors, tu fais l'aller-retour à Paris pour aller chercher les affiches pour qu'on les ait demain matin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors nous c'est l'équipe de Cluster et Jonesy. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cluster c'est une série d'espionnage de science-fiction. Voilà, il y a déjà 9 épisodes en ligne, le 10 est en cours de tournage. On vous invite sur notre stand qui est juste derrière. Et participer à un jeu, si vous pouvez nous expliquer le jeu qu'on a sur notre stand. Mais oui, le jeu du glitch. Alors c'est très simple, vous vous asseyez face à face. Vous vous regardez droit dans le blanc de l'œil et premier qui signe des yeux, il va bien. Accrochez-vous avec honneur parce que le soir génétique ne recrute que les meilleurs. Vous êtes prêts? C'est parti, fixez-vous. On offre en fait du papier de toilette. Parce que voilà. Une agence de sécurité. Voilà. Merci. Dans un je crois que Wolf n'a pas réussi à venir jusqu'ici. Et c'est Helvetia. Donc voilà. Et donc voilà. Ulysse, ça commence à bien faire. Gaston Chant. Et moi, c'est triste de remercier parce que l'époque a tout écrit. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors Pierre, ça met la pression pour l'épisode 10. Ouais, grave, parce que comme disait Sam de Saturday Man, on a essayé beaucoup de choses sur Cluster. Toutes n'étaient pas forcément bonnes, mais comme disait, c'était de l'audace et je pense qu'effectivement
rien que le fait de partir sur un délire un peu jaune et tous les thèmes qu'on a traités, c'était pas facile à mettre à l'image. Et grâce à l'équipe de Taré du Vrac, on a pu le faire et on va pouvoir le faire encore.